pour cette nouvelle vidéo de GameKeep et les gens, on se retrouve aujourd'hui les gens pour... Fortnite, mais une vidéo exceptionnelle. Y a pas d'autre mot. C'est une fois par an. C'est une fois par an. Alors attention les gens, installez-vous bien. Le casier de GameKeep. Mais cette fois-ci, on a fait un travail de fou. Parce qu'on a été sur un site où on peut renseigner tout son casier pour savoir la valeur du casier. Voilà, et on vous dira à la fin la valeur du casier. On n'a pas. Pour l'instant de Guillaume. Voilà, donc voilà. Il faut savoir que Kim aussi a un casier, elle a des skins que je n'ai pas, et il faut savoir que quasiment la totalité des passes des Fortnite Pro et tout, on l'a acheté deux fois. Donc là, Vous allez avoir le prix du casier de Guigui. De Guigui. Et puis, sachant qu'on a eu des skins offerts par Fortnite. Oui, voilà, sachant que tu as des V-Bucks dans les passes de combat, sachant que tu as sur des... Sur Sauver le Monde, j'en ai eu. Voilà, donc en tout cas, c'est la valeur de notre casier, c'est pas la valeur réelle qu'on a dépensée. Restez jusqu'à la fin, on vous donnera la valeur totale. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent dire ce que vous pensez, combien on a dépensé de V-Bucks, on va dire en V-Bucks. Ouais, en V-Bucks. On va vous donner le prix en V-Bucks, on va dire combien ça correspond. Et aussi, on a un prix... En V-Bucks, on a aussi un prix 1 euro. Pour tout ce qui est Battle Pass, différents trucs qu'il y a dans le shop, vous savez, oui. Avec les Fortnite Crew, les différents packs de quêtes, les trucs comme ça, tous les bundles. Voilà. Donc il y a un prix fixe, un prix en V-Bucks, et du coup ça fait un total. Et on peut vous dire en dollars, en yens. On vous dira tout. On vous dira tout d'ici la fin de la vidéo. On va déjà aller voir un peu tout le casier, on va faire ça un peu vite, on va s'arrêter sur les trucs les plus intéressants. Mais en attendant, les gens... Faut mettre le code JK voilà. Si vous achetez un petit truc dans la boutique d'objets... Si vous voulez qu'on continue à remplir le casier, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Il faut remplir le casier, d'ailleurs, elle, tu l'as pas, et lui non plus à gauche. C'est vrai que je l'ai pas, mais t'as rien. Ah non, mais j'ai rien aujourd'hui. T'as rien aujourd'hui. J'ai rien Ah si, Jack, si Azuki... Ah, t'as quand même des trucs, Jack Assassin, ouais, j'ai pas tout, mais j'ai quelques trucs. Ouais. J'ai quelques trucs et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un paquet de skins. Et il y en a 466, sachant que l'année dernière, on avait à peu près 300. Alors, il faut savoir qu'on a compté le prix des skins. On n'a pas mis toutes les pioches, tous les machins. On n'a pas fait attention. Il y a quelques trucs qu'on a achetés, mais rarement. Non, mais c'est environ. Hein. C'est environ. On va du plus vieux ou plus récent? Moi, j'irai du plus récent. Déjà, regardez les gens. Voilà. Bah, 466 skins. Déjà. Donc, faut les dire aussi, vous, combien de skins vous avez. Alors, faut savoir que nous, on joue depuis le chapitre 1, saison 2. Modifier le style. Milieu de saison 2. Si je vais dans ce que disait Trier, Trier, c'est bon, on a 466 skins, ouais. On est dans par saison, donc sauf Kabylaine qui est là, je sais pas pourquoi. Bah si, parce que c'est la saison, en fait c'est tout mélangé de la saison. Ah d'accord, et du coup après les styles au choix, voilà, vous savez, il y en a qui sont réactifs, etc. Alors, on va aller vite et puis on va s'arrêter sur tous ceux qui sont vraiment incroyables. Donc comme ça, vous allez voir un petit peu tout le casier et puis vous direz... Et puis il faut nous dire ce que vous, votre préféré, votre skin préféré. Et si vous en avez parmi tous ceux-là. Alors, Kabylame, Alan Wake, forcément, Ahsoka, Kadotor, donc tout ça, on connaît parce qu'on a eu récemment bah, Transformers qui est officiel. Avec Bumblebee. Moi, vraiment, ouais. Vraiment, gros coup de cœur sur ce skin personnalisable. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs skins de la saison pour l'instant. Après, Astria, il n'est pas dans le pass. Du crew, Antonia du pass, meilleur, pass du, meilleur skin du pass. Ah ouais, meilleur skin, ouais. Mais que sympa aussi. Du coup, Megatron, Michael Myers qui est ultra. Enfin, il est ultra flippant. C'est vraiment un des meilleurs skins. Ouais, il est vraiment flippant. Il est vraiment cool. Flippant, ouais. Musclai, Nolan Chance, forcément le pass. Bah, Umbral, le crew qui est énorme. Le plus moche. Et le plus moche. Sur cette saison, on a eu un des plus stylés, un des plus moches, un des plus terrifiants. On a tout. J'avoue. J'ai craqué la dernière fois pour Bengal. C'est vrai qu'il est pas mal. Nicky Velos, Triarch. Donc le pack de quêtes, d'ailleurs, que t'as fini. Ouais. Shoto Todoroki, voilà, qui se retrouve là, je sais pas pourquoi, mais... Bah parce qu'ils sont sortis après, tu sais, il y avait le deuxième pass qui était sorti. Sycomore, surtout qu'on aura reçu un paquet de skins là, Fortnite, ils nous ont régalé de ouf. Siri, bah je trouve incroyable, meilleur skin de Witcher pour le coup, oui. Enfin, vraiment joli. Par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils font là. D'ailleurs, enfin, je remets, je vais en profiter parce que j'ai tout supprimé. Ah oui, ouais. Era, qui était magnifique. Attends, je vais en profiter alors. Vas-y, vas-y. Vite, là... Jack Skellington, il est énorme. Oui. Antonia, il est ultra stylé. Ouais. Bon, on va mettre. Bengal. Moi, pourquoi j'ai Musclai? Musclai est nul. Bengal. Non, il est mignon, mais. Non, mais oui. Bengal est très stylé. Après, voilà, j'en louperai peut-être, mais c'est juste. Ah, FNCS, normal. Bah oui. Kira. Tout le monde l'a acheté, celui-là. Bah oui. Air Max, moi je kiffe celui-là. Oui, donc en fait, tout est un peu mélangé finalement, mais ça va aller. Optimus Prime. On avait reçu la WWE. Bender qui est en gold, qui est marrant. Qui est sympa. Eriza. Ouais, c'est un pack de quêtes, ça, je crois. Hein. Ouais, c'était ça. Un pack de je sais plus quoi. Ah, bah si, je l'avais. Ah, bah si, tu l'avais. Bah, tu vois, j'ai oublié. Ah, bah voilà, bah, tu l'as rajouté. Non, mais le total en V-Bucks, il est approximatif. C'est environ. Voilà, environ. Mariposa, Lorenzo, Isabelle Stivel qui est très belle. Elle est très stylée. C'était un skin à acheter. Hein. Ouais. Oui, je crois, ouais.
Avec du coup on a beaucoup de différentes collaborations. Ouais, oui, bah oui, Crew, du coup ça le Fortnite Crew, Lexa qui est très cool. Je sais pas, je vais essayer de mettre un maximum de skins. Luigi Tadori, Virtuous Galaxy. Virtuous Galaxy, ouais. Très cool. Qu'on aurait pu avoir gratuitement, mais non, du coup ils rentrent dans ce qu'on a payé. Vicora qui est pas mal. Hein, oui, qui est pas mal. Qui est pas mal, ouais. qui est pas mal. Donc ça c'est Terminator. Ah mais si tu l'avais cool. En fait la Futurama. Mais... Approximatif, ouais. Talus, le chevalier cinétique. Ouais. Elle fait une CS trop bien, René parce qu'elle reviendra jamais celle-ci. Donc j'espère que vous l'avez acheté, on espère que vous l'avez acheté. Ah, Spider-Man, incroyable. Miles, ouais. Incroyable, vraiment là on est sur des skins de malade. On a un paquet de skins Star Wars, Ala King, incroyable aussi. J'aime bien Dark Maul, très cool, moi j'aime beaucoup Padmé, très efficace, le chara-design est très fort. Ressemble vachement à l'actrice. Ala King aussi, énorme. Et du coup, on continue. Il y a trop de Stormtroopers. Allez, Mizuki, incroyable, Mizuki, saison précédente. Incroyable, ouais. Saison, il y a deux saisons même. Ouais. Tout est mélangé, c'est pas grave. oui, c'est un peu mélangé, je trouve, mais c'est pas grave. Les différents skins académiques qui étaient cool bah, avec y en avait un qui avait fait, la custom. Ouais. Non, c'était pas celle-ci. Bah si, c'est elle. Non, c'est pas elle que j'ai custom. Bah si, Viola et tout. Non, oui, mais c'est pas elle que j'utilisais le plus. Ah oui, c'est vrai. C'était elle en dessous. Là. Ah oui, c'est là. C'est très efficace. Ouais, oui, j'avoue. Très, très efficace en marron. Très joli, très joli. Ça passe. Feral, donc c'était Nomad quoi. D'ailleurs, ouais, on se demande s'il y aura Nomad prochaine saison. Donc voilà, on a tout ça comme skin. Ah, celui-là, ils sont trop beaux. Elle est très cool celle-ci. Moi, je préfère l'autre. C'était laquelle ? C'est à gauche. En haut à gauche. Là. Ah ouais. Oui. Ils sont plutôt cool. Ouais, ceux-là, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Oh, Matassi. Incroyable. Ouais. Incroyable les gens. Franchement, Mikasa, les skins récemment, ils sont Mystica. Vraiment ouf. Rival Rebelle, okay. Anaconda, incroyable, sympa. Il y en a pas qui demandaient d'où est-ce que ça venait, c'était un pack de quêtes, ouais, ou un pack, vous savez, des fois, des packs où il y avait des V-Bucks, oui, avec, des V-Bucks, je crois que c'était des V-Bucks, ouais, mais visuellement, chara-design, incroyable, mais elle, franchement, elle fait un peu flipper quand même, ouais, elle fait trop, parce que là, regarde des serpents, les yeux, oui, c'est les yeux, du coup, ça, c'était aussi avec le pack, ouais, incroyable, il est sympa, ouais, il est beau, ouais, Triarch Snorx, incroyable, ça, c'était, vraiment oufissime, on l'avait croisé avant, ah oui, on l'avait croisé avant, on l'avait découvert, on a fait quoi, c'est quoi ce truc, ah, t'as bien Thunder, bah, il est trop bien, oui. Il passe partout. Oui, oui. Styx, du coup, qui va avec le Fortnite Crew dans la même famille. Attrape-cœur. Est-ce que finalement, avec le recul, des fois, t'aurais pas acheté certains skins ? Oui, c'est possible. Après, c'est fait. Après, il y en a qu'on a reçu aussi. Attends. Spring 2 Renegade. Ça, je crois que c'est les skins qu'on a reçu. Le loup. Ouais, Wendell, le loup, on l'a reçu. Hein. Avec Giannis. Antetokounmpo. Flex Power, on l'avait reçu, ouais, c'est un des créateurs, je crois, c'est espagnol, ça. Si je me trompe pas. Ah bah, Vénard du championnat. Vénard du championnat. Ah, Punkette, trop bien. Bah là, les deux, là. Dantel. Festivalière aussi. Moi, je préfère Punkette. Mister Beast, on n'avait pas pris les deux, on avait pris que la version... Avec son casque Beast. Kid Laroi, ouais, après... Ouais. Et moi, j'aime bien son émote où tu voles. Comme ça, ouais. C'est giga stylé. The Witcher, quand même, pour ceux qui sont fans de la série. Ouais. Celui-là est très beau. Est très, 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 très beau. Ouais. En fait, franchement, les effets détails, tout, les effets, il est très, très beau. Il est vraiment super stylé. Captain America en Sam Wilson. On a après du Piccolo. Je vais juste aller sur Hulk. Incroyable. Incroyable, mais trop beau. Ah, elle. Ouais. Terreur étoilée. Trop belle. Très cool. Ouais. Mayor Academia. L'intro. Ah ouais. C'est bien, comme ça, on fait un petit... Injouable, mais, non, mais franchement, il est trop beau. Ah, moi, j'étais pas trop fan de Mezumi dans le passe, moi. Piccolo, est trop bien. Sympa. Ah oui, Kelly, ouais, Ritas. Qu'elle est avec Anna, normalement, qui est en... Qui est... Que là, non. Oui, c'est ouais, ça. Elle. Anna. Bah, j'aime bien Anna. Kelly Ritas, il est un peu bizarre. Ouais, ils sont tous... Franchement, ils sont tous... Mais de toute façon, tous les skins sont à peu près stylés. Hein. Oui, bah oui. Ah, Elsie. Elsie, incroyable. Alors, le skin le plus utilisé. Ah, t'es bien avec ce skin. Bah, attends, il était gratuit. Oui. Sylvie. Le Sentinelle, c'était pareil, ça, un pack. C'était un pack de... Ouais. de... Qui est disponible jusqu'à début mars 2023. C'était un pack de d'XP. Selene, ouais, c'est ça. Ouais. Masai. Kieran. Bah, c'était pour avec Sylvie, Sylvie ouais, ouais, c'est ça. Oh, celle-là, incroyable. Ouais, oh, incroyable. Celle-là est magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, donc, deux couleurs, la version en plus, avec les unes blancs, les yeux de bleu, c'est énorme. Magnifique. Folie, pas trop mal. Ouais. Finalement, celle-là n'était pas si ouf. Guf du traîneau. Ah oui, trop bien. L'Asdor. Ah, trop bien celle-là. Mais tu mets pas en favori, l'Asdor. Si, je mets. Lucien West, c'était le loup-garou. C'est d'ailleurs qui est un des skin créateurs qui est vraiment travaillé de ouf. Oui. Pour ouais. le coup, il est très cool. Hein. Même si tu connais pas, c'est ultra stylé. Ah, Black Adam. Stylé, on a toujours pas vu le film. Non, on a toujours pas vu. Ah, bah Volpez, celui qu'on a mis 4 mois à voir. Il est là, mais il est sorti il y a longtemps. Oui. Tegan, elle est sympa. Stellan, gardien de la faille. Ouais, efficace aussi. Ouais, pas mal. Guff, oh, Papa Guff, il est trop bien. Du coup, les différents skins de football avec FFC, LeBron James, ouais, Kim Chloé, Neymar Junior et The Greg F.
Non mais ça c'est le skin le plus chou. Je sais pas s'il est vraiment joué celui-là en vrai. Non mais c'est en vrai je regrette peut-être un peu de le racheter, c'est très beau. Tu l'as pas acheté ? Si. C'est, il nous l'avait envoyé. Ouais, il nous l'avait envoyé. Mais je l'aurais acheté de toute façon. On était trop choqués. Celui-là tu l'as acheté par Hulkbuster. Tu l'avais pas avec c'est un zéro. Tu l'avais pas avec le comics ? Tu l'avais avec le comics. Voilà. Tu l'avais avec le comics. Ah oui, c'est vrai. Ah jumeau. Ah oui. Jumeau c'est stylé, ouais. C'est stylé de ouf. Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo. La version du classique. Hein. Ah, tu j'aime bien X-23, ouais, tu j'aime bien. Beaucoup. Ouais. Spider-Gwen, incroyable. Il faut qu'on fasse la tour, là, en Lego, mais d'ailleurs. Mais oui, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on s'en occupe. Brie Larson. Abyssée. Ouais. Elle est pas mal. Ash Williams. Qui est sortie la dernière pour Halloween. Ah. Oh. Bon, il est pas terrible, ce skin, quand même. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Non. Bah, de toute façon... Bah, si vous voulez. Oh, stylé. Ah oui, c'est, elle est très belle comme pack ça. Pack de quêtes énorme. Si vous voulez mon pack de skins, enfin mon casier de skins, faut me dire dans les commentaires. Bah oui. Ah, c'est bah, celui passe. On le fera peut-être sur la chaîne secondaire parce que Kim a des skins totalement différents. Ouais. Elle a des skins encore plus rares que moi. Ouais, j'aime bien celui-là. Ouais. J'aime bien celui-là. Ok. Avec Ralph Lauren. Ouais, c'est ça. Celui-là, j'aime bien la couleur. Ouais. Avec la musique qui est copiée. Oui, ouais, c'est ça. Qui était ouf. Lennox, moi j'aimais bien Guillaume, il m'aimait pas. J'aime pas trop le dessin. Benjamos qui est spécial. Ouais, Ralph Lauren. Ça, on avait découvert après qu'on avait reçu ça. Oui, on comprend pas les trucs de foot, on comprenait pas. Tu vas pas ouf. Il est original. Il est original. Après. Non, efficace parce que tu peux mettre en noir blanc. Oui, oui. Ah, ouais. Mina Park, incroyable. Est trop belle. Ça, c'était un pack à 3,99€ ou un pack de quêtes. Potiron chromé. Lui, il est pas mal. Je crois que c'était offert avec... Il fallait faire 50 niveaux. Ouais. Moi, j'aime bien. Jack Ossin, il est pas mal. Ouais, moi aussi, hein. J'aime bien. J'aime bien, ouais, je vais le mettre en favori. Ouais. Mighty Thor. Le film était... C'est pas grave. On n'est pas là pour parler des films. Ouais. Destiny. Ils ont un détail de malade. Oui. On avait dit... Regardez, on dirait même pas Fortnite. Là, pour le coup, on dirait pas Fortnite. Il y a trop de détails. Mais c'est joli, hein, c'est très joli. Hein. Patrick Mahomes. Ah oui, NFL. Ouais. Spider-Man 0. Ah, incroyable, Spider-Man. C'est toujours stylé, Spider-Man. Surtout dans le jeu, c'est un peu les skins collants, mais du coup avec un peu plus d'originalité. Oui. D'ailleurs, ils sont moins utilisés, je trouve, les Spider-Man. Ouais, beaucoup moins, ouais. Wolverine 0. Pareil, c'était avec le comics, je crois. C'est ouais, un 0. Oui. Dark Vador. Du coup, c'était stylé, on avait quand même un skin de ouf offert oui, à la fin. Ouais, ouais, ouais. Mic Mac, Charlotte Fatale. Incroyable. Pareil, Beerus, ultra quatre, stylé. Beerus! Virus, il est trop bien. Ouais, Charlotte. Ah, il est trop bien. Ouais, Charlotte, incroyable. Ah, elle est pas mal. Arpenteur de tempête, c'était dans le pass. Adira, moi j'aime bien. Ouais. Vegeta et Son Goku. Bon, allez, hop. On met. Alors, Dragon Ball ou My Hero Academia ou Naruto, les gens. Parce que là, il y a les trois. Hein. Ou Jujutsu. Ou Attaque des Titans. Hein. Ah, mais non, t'es pas rendu là. Vous avez entre 5. Hein. Eevee, incroyable. Ah, ouais, Eevee. Incroyable. Gaara, bah voilà, Naruto, Hinata. Indiana Jones, on a vu un extrait du film, on a juste vu l'extrait du coup. Du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément le regarder. Voilà. C'est un peu ça. Non, mais c'est bien, mais les anciens sont très bien. Ouais. Oui, bah oui. La banane à cause, ah bah oui, incroyable. Bah oui. Savina, moi ouais, j'aime bien. On la voit pas souvent. Non, il y a pas des pas skins souvent. Qu'on voit pas souvent. Mais c'est pas. Oh là là. Incroyable. Oh là là. Du coup, qui s'est changé pour être en Halloween et qui l'ont massacré ses chaussures. Les chaussures moches. Ouais, elle est efficace celui-là. Bombeuse magmatique qui était gratuit aussi, ouais. Ouais. Il est sympa. Assassin's Creed. Ouais, voilà, c'est ça. Version nordique. J'avais oublié. Assassin's Creed chez les Vikings. Assassin's Creed. Valhalla, Valhalla. Assassin's Creed à la plage. C'est comme Martine. Oui, c'est ça. Doctor Strange. Ouais, incroyable. Mais pareil, injouable. Moon Knight. Très stylé. Ouais. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il a un détail. Non, son détail est ouf. Rodeur, donc dans Miles Morales. Ouais. Sorcière rouge, ouais, Gunnar, vieux boss, hein, qu'on a kill un million de fois. Irina est trop belle. Incroyable. Surtout en vert, on dirait Genshin Impact. Ok. Bon, faut vous dire, c'est genre, si vous avez des skins que vous avez, il y en a que vous préférez ou que vous rêveriez d'avoir et que vous ne pouvez pas acheter parce qu'ils sont plus dans la boutique, il y en a plein qui sont sortis. Ah, Tsuki 2.0 est trop bien. Tsuki est très stylé. Moi, j'aime bien la banane. La banane polaire est bien aussi, ouais. Ezio Auditore. Vie, moi, j'aime bien. J'aime bien les skins League of Legends qu'ils ont fait, ils sont cool. De League of Legends, ouais. D'ailleurs, Wars, bah non, c'est Arcane, enfin oui. Bah ouais, efficace. D'ailleurs, un des meilleurs films d'animation de série d'animation. MJ. Ouais. La Fondation. Ronin, du coup. Ah, mais j'ai lu. Oui, tu l'as, Mani, tu vois, bah je t'ai dit que tu l'avais. Chloé Fraser, donc. Uncharted. Arlo. Azuki. Azuki, incroyable. Incroyable, sous-côté Azuki. Ah ouais, trop sous-côté. Il y a plein de styles. Faudrait que je l'achète. Oh, magnifique.
Ils avaient fait un truc de ouf. Chanta. Avec, Chanta. Bah, c'était le skin de fin, je crois. Hein. Ouais. Magnifique. Mais tu mets pas en favori? Si, si, je peux. Mais j'en mets trop. Oui, après, t'es perdu. Donc, Undertale, où tu peux changer le. Donc, en Nathan Drake ou en Tom Holland. Ah, Elisabeth aussi. Trop bien. Bah, ah, ouais, elles sont trop belles. Oh, mais attends, mais ce style. Mais ça va, ils avaient ajouté deux styles. Ils avaient ajouté un style pour chaque. Mais trop bien. Ouais. Et le mieux, c'est l'autre. Comment c'était? Ellie mais et. Trop bien. Mais là Lila. Et elle est en blanc. Et alors qu'elle était en, ouais, elle en rose. Violet, rose. Ouais, c'est style de ouf. Ouais. PS5. Qui est efficace. PS5. Qui passe partout aussi. On a Tora. Ah ouais, on revient. Ah ouais, c'est... Oh, c'était trop bien. Mais l'époque, cette les gens ont fait. Avant l'arrivée du chapitre 5. Enfin, chapitre 4, saison 5. Nick Fury. Ah ouais, je l'ai en fait. Ouais, il est trop bien. Ok. Eddie Brock. Carnage. Qui était en fin de saison aussi. Jinx, qui est très cool. D'Arcane. On a vu et qui est énorme comme ça. Ah, vraiment incroyable. Incroyable. Pour le coup. Charlotte efficace, mais j'aime bien l'autre version quand même. Ah oui, c'était trop marrant. Ah ouais, ça, j'avoue, il était pas mal celui-là. Le cube. Le cube est bien. Ouais. J'aime bien lui. Ouais. Géométrique. JB Champansky. Naruto. Attaque et Kakashi. Balenciaga. Le Poiské Cartoon qui est efficace. Qui est trop bien. J'aime bien. Trop bien, ouais. Ah oui, c'était Légende Fraîche. Pack Légende Fraîche. Ça, c'était le pack un peu tech. Pareil, pas trop cher, ouais. Je crois. Naruto, Uzumaki. Core, après on a Sakura, Sasuke, donc ça va avec le pack comme ça, oui. Et celui-là va avec le pack comme ça. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait gagner des légendes fraîches, mais. Ouais. Vénard dans légendes fraîches quand même! Je vois pas. Cause! Bien où il y a tous les Batman. Tous les Batman. Moi j'aime bien Skeletor aussi. Ouais. Le poste que je lis est marrant, bonbon. Oui, il est marrant. Ça, c'est Balenciaga. Clark Kent, Ariana Grande. J Balvin, LeBron James. Bah, Ariana Grande est efficace. Ah, ben ouais. Personne ne joue avec. Non. En même temps, t'es visible aussi avec les paillettes. Là. Oh là 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 là, Thanos. Les gens. Thanos, oui. Thanos. Oh, le chara-design, il est incroyable. Quelle époque. Et Loki, c'était le deuxième Fortnite Crew. Donc, il est rare, Loki. Ouais, il est un peu rare. Parce qu'on veut plus du tout l'acheter. Bah, non. D'ailleurs, ils n'ont pas enfin un Loki pour la saison 2 de Loki. Pareil, non, je crois pas. Bizarre. Parce qu'à l'estival, en fait, c'est un crew. Oui, c'est un crew. C'est vrai, on peut pas l'avoir. Je me demandais comment on l'avait vu. C'est juste que j'ai acheté un crew sans faire exprès. Bah, non, c'est pas quand t'avais acheté Thor, justement. Et j'avais Loki, j'avais laissé. Ah oui, et puis, Loki, j'avais le prochain. Ouais, c'est ça. Kalibok. Ah là là, oh là 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 là, ça sonne la pêche. Oh, c'était trop bien. Oh, Lara Croft, on pouvait l'avoir en doré et tout. Oh là là, c'était trop bien. Ah, Reverse Raven est pas mal, hein. Oui. C'est efficace, hein. On voit pas souvent. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, c'était Rebirth aussi. Très bonne époque de Far Knight. Ah, Gia, trop belle. Un des best skins, pas cher. Oui. On vous montre les skins qui nous ont plus marqué. Ah non, mais ouais, elle est dorée comme ça avec la. Ah, Bananis Maximus, c'est quand il y avait le Colisée là. Ah, c'était trop bien. Stonk. C'était marrant. Ça. Ryu, donc là, full gaming avec Halo, God of War et encore Street Fighter. Lapingre, qui est mignon. Ouais. PlayStation, Ant-Man, Marvel avec Black Panther, Captain Marvel et Maître Gorvée, les trois, c'était dans un pack. Ouais, c'est ça, c'était un pack qui était plus aussi. Black Panther est giga stylé. Ah, super pas saison. Beaucoup non plus. Hein. Super saison encore. Le Mandalorian. Avec Predator avant. Ah, fallait être rebelle, fallait tuer Predator. On a eu une chance. Ah, ouais, c'était la même saison. Furieux. Ah, c'était ouf. Ah, c'était ouf. En fait, il y a vraiment des saisons qui sortent du lot de ouf. Hein. Ouais. Là, t'avais le vaisseau de Mandalorian qui était écrasé, et en fait, il fallait les chercher. Et en fait, t'avais aussi dans la jungle, dans le truc, fallait tuer, il était invisible. Oui. Et ah, c'était marrant. PlayStation 5 aussi, je crois. Daryl, Dixon de Walking Dead. Gatom, qui était pas. Non, que dans le pass. Ouais, dans le pass. Ah oui, c'était dans le ce pass. Ouais, ok. Divan, évidemment, mine de rien. Trop belle. Terminator en version squelette. Légionnaire, ça a été un skin gratuit. Moi, je kiffe Meridor. Oui. Trop bien. Bah, c'est Midas en féminin parce que du coup, mais j'ai pas eu Midas qu'on jouait pas cette saison. Non, on avait un peu arrêté. On a fait une pause. Oui, ouais. Des fois, c'est bien de faire des pauses. Oui. Je kiffe celui-là aussi. Très Poison Ivy. Avec le pack d'ici. Bah, on l'a dans une des parties, on l'a croisé. Ouais. Groot, c'est le skin. Oh bot. Là là, mais quelle saison. Oh là là, mais la saison 4, la saison 5 du chapitre 2, mais c'est juste une dinguerie. C'est tellement difficile qu'on a même pas tout eu. Ouais. Il nous manque les chromés. On n'a pas eu les chromés. Ouais. Tu sais, les chromés comme eux là. Ouais. D'ailleurs, ça bug un peu, ouais. Venom. J'ai Hulk qui était joué de malade avant. Ouais, je suis Hulk, ouais. Ouais, Venom, il est incroyable. Il est un peu gros. Ouais. Ah oui, il y avait quand même Midas Rex, c'est vrai. Oui, parce que c'était dans le pack avec... Ah oui, bah oui, on avait créé des super-héros. C'était marrant. Ah bah, je l'ai, en fait. Oui, tu l'as. Ok. Donc ça, c'était les skins... Skins de... Ça, c'est les skins de passe, mais ça, c'est des skins OG qu'ils avaient ressortis. Ouais, c'est ça, ils avaient refait avec la saison... Ouais.
Éclaireuse Galaxy. Ok, Captain America. Un des premiers skins de Marvel. Fournaise. Bah tu mets même pas Fournaise, hein, mais si, alors qu'il a attendu. Mais parce que t'as vu comment elle... Oui, elle brille, elle brille. Ouais, je vois pas. Julie, très efficace. Ouais. Julie Desplat, je préfère. Kit, Océane, ça c'était une sacrée saison aussi. Hein. On avait repris à partir de là, au milieu de cette saison. Le skin que tout le monde attend. Ouais, j'avoue. Travis Scott et du coup Astro World. Qui sortira jamais avec les accidents qu'il y avait eu, c'est sûr que c'est compliqué, mais... Il est beaucoup demandé ce skin, hein. Ouais, de ouf. Hein. À chaque fois, il y en a qui se disent, ouais, quand est-ce qu'il revient? Bah, je sais pas s'il reviendra. Hein. Ok, bah, Batman. Idée, ouais. Infinity de Titan. C'est vrai que j'avais acheté Infinity, ouais. Ah oui, c'était la saison 10, c'était le revival. Ouais. Bah, je pense que ça va être un petit peu comme ça, moi, ouais, cette saison-là. Ouais, ça va être un peu pareil, c'est comme la saison 10. Ouais. Un peu un retour aux sources. La Magic Jet. On verra bien, hein. Là, ouais. On est sur du vieux de la vieille. Guaco. C'est trop bien, on te rappelle, avec le dôme qu'il y avait et tout le monde faisait ça au bout d'un moment. Tu devais être transban. John Wick, mais le vrai John Wick. Oui. Qui est marrant. Ouais. Qui passe partout. Chef de l'équipe Mecha. Vendetta. Ouais, c'était des réinterprétations des anciens. Sentinel, en fait. Rox. De Tracer. Ah, Gracile, elle est stylée. J'aime bien parce que du coup, ça a été Jordan. Ouais, ouais, t'avais Jordan en vrai. Ouais. Ah, elle est jolie en rose. Pareil. Abil. Genesis du Bunker. Ah oui, il a mangé la banane. Ouais, c'est ça. Meta. Efficace, sympa. Pas beaucoup joué. Non. Stratus, Vega, Ambre, ah oui, c'était le palier 100. Oui, c'est ça. En doré, comme ça. Tout en or avec les balles et tout là-bas. Ouais. Les skins OG de plus, Black crois, Widow hein. Et de... Celui-là est rare parce qu'il était remplacé. Star-Lord, oui, parce que c'est elle en version du film, Black Widow. Et celui-là est très très rare, apparemment. Mais il est... je comprends. Faut me dire, mais il est très très rare. Il est vraiment dégueu. Personne l'a, celui-là. Mais c'est normal, il est dégueu. Bah, je crois que ça fait 800 jours qu'il passe un peu de temps. Ah oui. Non mais en vrai ça fait vraiment super longtemps, je crois qu'il est jamais ressorti. Non, en même temps la série, ressorti. Est-ce qu'il ressortira peut-être? Non, je pense que c'est parce qu'il est vraiment moche. Non, je tu pense pas. Non, je pense que... Bah pourtant, ouais, c'est bizarre alors. Non, l'Astral Horizon, ouais, je sais pas. La classique. La vraie. La classique. L'unique banana. Trop bien. Ah, iconique quand même. Ouais. Marshmallow, qu'on a appris, c'était pas une personne en fait, c'était une organisation, enfin c'est très bizarre. Ouais, c'est chelou. Vénard. T'as mis du temps à l'acheter, hein. Ouais, et tu l'as même pas en favori. Mais si, oh là là, je l'avais acheté pour le troll, j'ai dit ouais, si jamais... Bon, elle est efficace, très bien. Une des meilleures saisons, parce que c'était les pirates, et c'était juste un truc trop bien. Avec les canons et tout, ah, avec le prisonnier, comment fallait le débloquer, ah, c'était... Non, c'était trop bien. Le petit cornet. Il paraît que lui aussi est rare, parce qu'il est pas ressorti. Non, il était rare, il est ressorti dans un bundle récemment. Ah oui, ok. Flamèche, c'était un des premiers signes que j'ai acheté. Oui, ouais. T'avais craqué le porte-monnaie, là, t'avais commencé à dire... Tu sais, au début, on disait, ouais... Ah, parce qu'on n'achetait pas au début, parce qu'il y avait déjà les Battle Pass, c'est compliqué de mettre de l'argent dans un jeu, quand même. Au parce début. Qu'en fait, tu sais pas est-ce si tu que vas tu vas y jouer, jouer tu vois. Nous, on attend toujours un peu. Hein. Bah, tu vois, c'est comme... Puis au bout d'un moment, c'est la fiesta, hein. Ouais, voilà, mais parce qu'on sait que ça reste dans ce qu'on fait, en fait. Bah, comme Stumble Guys, au début, on n'a pas mis d'argent, et puis après, au fur et à mesure, on est là, on a 300 heures de jeu sur PC, quoi, donc... C'est ça. Ah, bah, Boss Burger. Quelle époque aussi, hein. Attends, c'est quelle saison, les burgers? 5, bah voilà, les caddies. Les caddies. Ce serait trop bien. Nomade, saison 5, du coup. Incroyable, Nomade. Bah, incroyable. Mince, comment il s'appelle celui de droite? À droite de Nomade. Il y en a plein qui le veulent, celui-là, tous ceux qui l'ont pas aussi. À droite de Nomade. C'est saison 5 aussi, alors? Ouais, saison 5, saison 5, oui, Ragnarok, pareil. Incroyable. Ah ouais. Alors, s'il faut un remaster de ces trucs-là, ouais. Ce sera juste énorme. Ligne rouge, pareil. Ouais. Voilà. Saison 5, Secrétaire de guerre. Le on est sur du vieux. Ah, là, ça se voit que c'est vieux Fortnite. Sur les OG. Là, c'est, tu sens que le graphisme, la DA Zoé, des persos. C'est vieux. Hein. Bah, si, il y a Zoé qui s'en sort un peu, mais ouais, tu sens que la DA, c'est vieux. Ouais, quoi. Tu sens que c'est vieux. Vieux ouais. Ouais, le chara-design, il est vieux, quoi. Ah, j'avoue, c'est ouf. Le faucheur, c'est le premier pass de combat qu'on avait acheté. Oui. On jouait avant, mais c'était le premier Guillaume pass. Et Guillaume avait réussi à aller au palier 100, et moi, non. Il y a ceux qui sont buggés, qui sont. Bah, avant, je sais pas pourquoi ils sont là, et en fait, ils ont pas de saison. Spationauts. Et, du et coup, voilà. Voilà, du lourd agent rebelle. Et voilà les gens. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Donc voilà les gens, est-ce que vous voulez savoir maintenant combien... Sachant qu'on n'a pas mis les pioches, parce qu'en fait les pioches généralement sont dans les bundles qui sont avec les skins. Oui, oui. Alors. Alors, on en a pour à peu près, on va dire presque 500€, 450 euros de pass, Fortnite Crew, pack de quêtes, bundle, tout ce qui s'achète en argent réel, tout ce qui n'est pas en V-Bucks. Donc les gens de fraîche, le pack transformé en V-Bucks. On a à peu près 450 euros.
à peu près. Voilà, donc franchement, sur 5 ans sérieux, ça va. Enfin... Pas 5 ans 3 si, ah ans, oui, 5 ans, si, ouais. 5 ans, ans, ouais. 5 ans et demi. Ouais, une centaine d'euros par an, sachant que... sauf que... Il y a aussi les V-Bucks. Et on est à plus, sachant qu'on a oublié les trucs, on est à plus de 420 000 V-Bucks dépensés. Wouhou 420 000 V-Bucks dépensés. Voilà. Donc, ça fait, on avait calculé, c'est à peu près 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, après. Il faut savoir qu'on a eu certains gratuits. Voilà. On a les V-Bucks dépasses. On a, donc, en fait, tu les as pas vraiment dépensés. Mais bon, on a un peu plus, ouais, on est à plus de 420 000 V-Bucks. De dépenser, c'est... Sachant que le prix des V-Bucks a encore augmenté. Oui, parce que, en plus, on a pris le prix des V-Bucks de maintenant. Non, ça, j'ai pris avant. Ah, t'as pris avant. Ouais, et puis, okay. Du coup, si tu cumules tout, on est à plus de 3 000. Ouais, c'est ça. Si tu cumules les 500 euros plus les V-Bucks. Sur le compte de Guillaume! Parce que moi, sur mon compte, ce sera un vrai prix. Et on a oublié 60 euros de Sauver le Monde. Ah bah non, mais du coup, ça a dû compter ça. Ça a dû compter, ouais, ouais, par exemple, ouais. Sauver le Monde. Voilà, oui. Pourquoi, parce qu'on est fondateur. Tu sais que moi, j'ai reçu aucun skin gratuit. Hein. Ouais. Ouais, mais toi, t'as pas le démon gorgon. Allez, non, il est trop moche. Ah, il est trop laid. Donc voilà les gens, c'était le casier. On a essayé de faire beaucoup plus vite parce que c'est très très long un casier. On vous passe si vous voulez voir les parapluies pour savoir. Bon, on s'en fout de tous les autres non, parapluies. Non, mais les parapluies top 1. Les parapluies top 1. Je vais juste mettre dans. Saison. Non, je vais mettre Arte, c'est très bien. Parce ouais, que mais c'est du ça, coup, c'est tout en bas. Il y a juste celui-là. Pourquoi il est là celui-là? Parce que c'est pas un parapluie de saison. Ah, oui. C'est un pass qui était au milieu d'un pas des passes. Donc en fait, dans les plus vieux, on a les parapluies saison 6, saison 4, chapitre 3, saison 2, chapitre 2. Chapitre 2, saison 1, chapitre 2, saison 6, chapitre 2, saison 3. Il y a celui-là. Ah ouais, chapitre 2, saison 4. Celui-là, c'est si jamais vous faites un top 1 depuis le début du jeu. Ouais. Saison 8, chapitre 2, saison 1, chapitre 2, saison 7, saison 9, saison 7. Mais je le kiffe celui-là. C'est bien, ouais. Avec Neo Tilted et tout, c'est trop bien. Saison 7, il est trop trop bien. Ah, celui-là. Chapitre 2, saison 5, là, avec les gladiateurs et tout, ouais. Chapitre 3, saison 4. Efficace. Ah oui, c'était avec le pack méta, de fondateurs que tu peux plus avoir, du coup. Oui, c'est depuis, ça. Depuis 2022, ouais. Juin 2022. Chapitre 3, saison 2. Chapitre 2, saison 8. Il est beau aussi, celui-là. Chapitre 2, saison 6. Ah ouais, saison 5. Trop nul. Ouais, trop nul. 5, trop nul. Ah lui, trop bien. Saison 3, c'est incroyable. Le premier qu'on a. Ouais. Parce que saison 2, on y a joué, mais on n'y a pas joué. On n'a pas fait de top 1. Non, mais on y a joué juste à l'arrache, en gros. On n'était pas ouf. Chapitre 4, saison 2. Chapitre 4, saison 1. Celui-là, il est magnifique. C'est un des avec meilleurs parapluies. Avec l'arbre qui était au milieu, magnifique. Chapitre 4, saison 4. Récent. Chapitre saison 4. 4. Il est pas ouf avec la graffeuse. Non, il est pas ouf. Chapitre 3, saison 3. Et ben, il est tout pourri. Et du coup, les planeurs classiques, ouais. Le planeur de fondateur, le chapitre 3, saison 1 et saison 10. Et je crois après qu'on a, bah, on a plein ouais, de planeurs. Ouais, il y en a plein, Voilà, des saisons 5, des petits trucs de passe. Après, si, on n'a pas beaucoup acheté dans la boutique, à part voilà, des choses comme cause. Non, donc, il y en a très peu, c'est des donc passes. On aura ce dépass. Oui, ouais. Peut-être certains de Naruto. Qui sont dans des, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Mais pas de trucs de ouf. Et puis si, juste aussi celui-ci. Qui était à avoir dans les 1% 100, des joueurs. 100 000 premiers, ça. Voilà, après, sinon, c'est des trucs assez classiques. Vous avez tout vu. Et puis, les pioches, c'est pareil. Si on va dans les très, très vieilles, parce que je pense que si ça vous intéresse, les premières pioches qu'on a, c'est par saison, les premières pioches qu'on a eues. On n'en a pas beaucoup, vous voyez. Non, enfin, non, c'est... Beaucoup, oui, mais c'est pareil, c'est des passes. On a saison 3. Ouais, mais après, c'est pas... Celle-ci, c'est la première que j'ai achetée. Oui. Moi j'aime beaucoup, c'est la saison 3. Voilà, tueur à gages qui est vraiment c'était, efficace. C'était le dans un pass, voilà. Qui est, je la trouve énorme cette elle pioche. Bien, ouais, elle bien. Est ultra. Enfin, elle est petite et tout. J'aime beaucoup aussi celui-là qu'on avait dans le mode braquage. Ah oui, mode braquage. Et c'était saison 15, 5, ça se trouve, c'est ça? Ah ouais. Non, c'est plus récent. Non, c'est plus récent. Mais ouais. Ça me fait penser au braquage pour ça. Donc faut nous dire dans les commentaires Après, si vous voulez mon casier à moi. Ouais. Quel est votre skin préféré, bon, celui hein avec lequel vous jouez le plus? Non, il est trop hideux. Il est dégueu, hein. Faut s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, n'oubliez pas le code Zika. Et est-ce que vous aviez raison sur le total de notre casier, en tout aussi cas du premier compte? Voilà, on, en gros, on minimise un peu, mais on est à peu près à 3000 euros de dépenses. En comptant, bien sûr, on n'a pas compté qu'est-ce qu'on a eu avec les passes, ce que Fortnite nous a envoyé, mais en tout cas, un casier comme ça vaut presque plus là. Oui, voilà, c'est ça. C'est allez, salut !